Mange petit pélican. Salut Mariacha. Oh, salut les filles. Toi Mariacha, c'est sûr que tu mérites le Olamaba. Le Olamaba? Le Olamaba, c'est le monde futur. Mais quel rapport, Dvora? Bah, dans le pasouk Kol Israël, on dit bien que chaque juif mérite le Olam Haba. Et encore plus, ceux qui font les mitzvot ou qui prennent soin des créatures d'Hachem. Ah, mais bien sûr, Kol Israël Yishlahem, relek le Olam Haba. She'enemar be'yameh, kolam sadik. C'est ça, et le rabbi ajoute que même un juif qui ne fait pas encore Torah et mitzvot, mais se préoccupe de son prochain par exemple, le mérite aussi. Et en plus, il est appelé un tzaddik. Waouh, je suis une tzaddikette alors. Quel honneur! Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation. Et cela me fait penser à Monsieur Nissim. Monsieur Nissim? Oui, Monsieur Nissim, le jardinier qui travaille devant le jardin de la mairie. Ah, bah il fait que planter des fleurs, quoi. Il y met beaucoup d'amour. Là, je suis pas d'accord. Monsieur Nissim fait très attention à ses plantes. Tu as raison, Mariacha. Eh, j'ai une idée. Et si on allait voir Monsieur Nissim? En plus, il aime beaucoup discuter avec nous. Je vais demander la permission à maman. Moi aussi, à la nôtre. À tout de suite. Tout le monde est prêt? On est OK. Accroche-toi bien, Bella. En route! Aujourd'hui, j'ai apporté une nouvelle variété de roses. Où pourrais-je donc les planter? On est arrivé. Et vous avez raison, il est vraiment très beau, hein, le jardin. Oui, splendide. Allons déposer nos trottinettes sur le côté. Monsieur Nissim n'aime pas qu'on roule sur la pelouse. Ah oui, tu as raison. Bonjour, Monsieur Nissim. Oh, bonjour les enfants, comment allez-vous? Baruch Hachem. Monsieur Nissim, tu es un tzadik. Ah, mais pourquoi dis-tu cela? Mais oui, Monsieur Nissim, rappelez-vous l'histoire que vous m'avez racontée, que chaque juif a une part dans le monde futur. Ah oui, cette histoire-là, bien sûr. Racontez-nous, s'il vous plaît. Bon, bon, avec plaisir. Aidez-moi d'abord à finir de planter ces fleurs et de les arroser. Ensuite, je vous la raconterai. Salut Tsemar, tu fais du jardinage? Salut les copains. On est Monsieur Nissim. Je vous laisse. À bientôt. Merci les enfants, vous m'avez beaucoup aidé. Posons le matériel sur le côté et commençons cette histoire. Cette histoire se déroula à Lubavitch, en Russie, avec deux enfants du Rabbi Shmuel. Shalom Dovber et Zalman Aharon. Les deux garçons discutaient dans la cour de leur maison. Tu sais, Zalman Aharon, aujourd'hui au Cheder, j'ai appris que chaque juif est appelé un tzadik et qu'il est très spécial aux yeux d'Hachem. C'est bizarre, je ne comprends pas. Les grands tzadikim qui donnent leur vie pour Hachem, c'est logique. Mais les juifs simples? Ah, je ne sais pas, c'est une bonne question. Tu penses, même ces juifs sont spéciaux aux yeux d'Hachem? Tu sais quoi? Allons poser la question à papa.
Je suis sûre qu'il pourra nous répondre. J'espère qu'on ne va pas déranger papa. Ils entrèrent dans le bureau de leur père et lui posèrent la question. Papa, est-ce possible que tous les juifs sont appelés des tzadikim? Même les plus simples, comme Ben Tzion notre jardinier? Oh les enfants, je suis très content que vous me posiez cette question. Mais ce n'est pas à moi de vous répondre. Appelons Ben Tzion, il nous répondra de lui-même. Ben Tzion, Ben Tzion. Ben Tzion, s'il te plaît, entre, j'ai une question à te poser. Oui, Rabbi Shmuel, tout de suite. Vite, vite, le Rabbi m'a appelé. Rabbi Yankel, fais tout de suite rentrer Ben Tzion, s'il te plaît. Bien sûr, Rabbi, je vais de ce pas. Ben Tzion, le Rabbi a demandé que tu rentres directement. Oh, merci, Rabbi Yankel. Et le Rabbi posa la question suivante à Ben Tzion. Dis-moi, Ben Tzion, as-tu mangé ce matin? Bien sûr, Rabbi, Baruch Hashem. Et pourquoi manges-tu? Rabbi, c'est évident. Je mange car on ne peut pas vivre sans manger. Et ainsi, j'ai des forces pour réaliser toutes les choses qu'Hachem nous demande. Ben Tzion, s'il te plaît, raconte-nous comment se déroule ta journée. Quand je me réveille le matin, je fais ma tefila. Enfin, je fais les passages que je connais par cœur, car je ne sais pas encore bien lire. Ensuite, je vais donner à manger à mes poules, car Hachem veut qu'on fasse bien attention à nos animaux. Puis, j'apporte du lait et du pain au cheder pour les enfants, pour qu'ils puissent étudier en étant rassasiés. Et ainsi de suite, Ben Tzion énuméra toutes les choses qu'il faisait tout au long de sa journée. Que de mitzvot et de belles actions. Voilà, Rabbi. Merci beaucoup, Ben Tzion. Je te bénis. Tu peux retourner à tes occupations. Amen, amen. Merci, Rabbi. Shalom Dovber et Zalman Aharon étaient émerveillés. Comment un simple juif comme Ben Tzion pouvait accomplir tant de mitzvot en une seule journée? Et surtout, ils comprirent comment chaque action d'un juif est faite pour servir Hachem. Waouh, grâce à Ben Tzion, nous avons appris une belle leçon de vie. Oui, Baruch Hachem, et merci beaucoup papa. Voilà comment Ben Tzion nous fit prendre conscience que chaque juif a sa place dans l'Olam Haba. En réalisant toutes ces actions qu'il attache à Hachem au cours de sa journée. Merci beaucoup, Monsieur Nissim. Ah oui, l'histoire est fabuleuse. Avec grand plaisir, les enfants. Revenez quand vous voulez. Au revoir, Monsieur Nissim. Eh ben, on a appris des choses aujourd'hui. Baruch Hashem, on a vraiment la chance d'être des juifs. Et au fait, Kol Israël, c'est la phrase que l'on récite avant de lire les Pirkei Avot en été. Bien vu, ma sœur. Merci. Et allons voir la sira du Rabbi qui nous parle de ce pasouk. Kol Israël, yesh lem chid l'kolil amabo, o mizokte mazibe v'etzachu finem v'sidab tzu zayim. Merveilleux, ça résume bien tout ce qu'on a appris. Continuons à faire des mitzvot, car nous sommes bientôt des tzadikim. Bon, on le chante ensemble ce pasouk. Leo
מרשו הארץ, נצר מתי, מעשה ידיי.